Ici, c'est un quartier plus ou moins huppé de la région de Québec. Il y a beaucoup de notables qui restent à l'ouest de la ville ici. Mais bientôt, nous allons entrer dans un quartier populaire. Fréquenté. Si vous avez des questions à me poser durant le tour, soyez sans crainte, j'ai aucun problème avec l'accent français. Qu'on a au Québec, il y a certains problèmes qui sont assez délicats à aborder. Comme vous savez, que notre Fort Laurier, elle devient le chemin Saint-Louis, elle devient par la suite la Grande Allée et le chemin et la rue Saint-Louis. Ça, c'est toujours la même rue. On voulait vendre pour construire un condominium. Puis on n'a rien contre les presbytériens ici, on ne voulait pas détruire ce monument historique-là. On l'a plutôt transformé en librairie publique. Et tout près, vous allez voir le cimetière. C'est dans ce cimetière-là, un grand nombre de militaires britanniques ont été enterrés. Ceux-là même, ça. Maintenant, nous arrivons au carré d'Youville. Vous allez voir à droite un théâtre, le Palais Montcalm. Et on fait de la tire d'érable avec ça. Ça vient des Indiens qui nous ont montré comment faire ça. Aujourd'hui, on fait bouillir ça dans de la sève gelée et le sucre restait mou. Donc, on pouvait aller prendre le sucre. C'était la façon que les Amérindiens s'y prenaient pour extraire le sucre de l'érable. C'est le seul endroit à l'intérieur des murs en 42, le débarquement de Dieppe. Qui avait été préparé par les Anglais pour tester les défenses allemandes, pour préparer le grand débarquement, disait-on, de 1944. Et si on voulait préparer le grand débarquement de 1944, on aurait pu mettre des Anglais en avant et les Canadiens en arrière. On s'est fait canarder d'une façon incroyable. Mais ça, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Sur les plaines d'Abraham, ici, c'est les Écossais qui se sont battus, pas les Anglais. On vient de pas me dire à moi que c'est les Anglais qui ont conquis le pays, c'est les Écossais. On va utiliser la technologie française. La construction devra débuter vers les années d'utilisation. Autre chose, sur le fleuve Saint-Laurent, on retrouve plusieurs mammifères marins. On retrouve beaucoup de baleines, la baleine blanche, la baleine à bosse, le rocaille commun, l'animal le plus gros qui existe sur la Terre, la baleine bleue. La baleine bleue, c'est 4 fois la longueur de l'autocar ici. La langue d'une baleine bleue a le poids d'un éléphant d'eau. Imaginez-vous la grosseur de cet animal-là et ses parties sexuelles pèsent 1 tonne, qui est 7 mètres. À 1500 km de l'Atlantique, on a des marées ici entre 5 et 7 mètres. Ça peut s'expliquer avec les baleines. Parce qu'on dit que les parties sexuelles d'une baleine pèsent 1 tonne, ça déplace de l'eau. Moi-même, j'étais présent. Moi, je croyais que c'était l'emballage. À ma grande surprise, c'était le monument. On a presque la même chose au Louvre. Oui, et on lui a donné un magnifique pendant 30 ans sans rien y comprendre. Il y a des gens qui croient que c'est une toilette. Les marées à l'île d'Orléans sont moins importantes. Au début du 19e siècle, les moulins à papier Montmorency, un restant d'hôtel sur la gauche de la chute en haut, là, c'est que ça vient de passer au feu. C'était la plus ancienne, 1,7 km. 700, 1,7 km.
réservé pour la chute Montmorency avant. Le duc de Ken, dont on a parlé tout à l'heure, 14. La chute Montmorency est plus haute que la rive. Parce que ici, juste un petit peu plus loin, alors c'est ici qu'elle est partie pour bombarder Québec, en même temps qu'il faisait prendre d'assaut les plaines d'Abraham par les Écossais, comme le disait Serge. Alors ça a pris que finalement, ayant gagné les guerres en Europe, adapter la maison française, parce qu'on est arrivé